morning Panthers, c'est Grader et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai peint des socles pour une équipe de Necrotic à Blood Bowl. Fidèle à l'idée d'un socle représentant la pelouse d'un stade, je voulais tout de même y ajouter un petit plus. Attention, j'utilise un aérographe, mais le rendu peut être atteint également avec un brossage à sec. Assurez-vous bien d'avoir renforcé l'herbe avec une dernière couche de PVA diluée avant tout travail de peinture, sous couche comprise. Je pars ainsi sur un socle qui a été préalable soclé avec de l'herbe statique et qui a reçu une sous-couche noire. J'utiliserai pour la base du Sick Green que j'appliquerai sur toute la surface de mon socle. Une fois satisfait du résultat, je vais utiliser du Livery Green. Cette fois-ci, je vais me concentrer sur la partie centrale du socle. Si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez simuler le même effet avec du brossage à sec en mouvement circulaire en commençant par le centre du socle. Notre socle ressemble enfin à une belle herbe fraîche, nous avons enchaîné avec les marquages au socle. J'utilise du Ceramic White, le blanc de Games Workshop, qui est très riche et très couvrant, ce qui va être parfait pour ce que je recherche à faire. Essayez de vous mettre dans la meilleure position et tracez des traits avec votre pinceau. Commencez par de fines lignes que vous viendrez épaissir petit à petit au fur et à mesure de votre peinture. Laissez cours à votre imagination en ce qui concerne le marquage. Et voilà ce qui nous donne un socle de Blood Bowl tout à fait adapté à n'importe quelle équipe. Je vais donc aller plus loin et lui donner un aspect souillé par la mort. J'utilise alors mon fidèle Hullhead. Ici, je viens également appliquer la peinture au centre, là où se situera la figurine. Enfin, pour terminer, j'utilise du Earth, pour simuler la terre nue qui commence à apparaître sous l'herbe morte. Toujours au centre, je réduis cette fois la zone d'application. Et voilà, vous avez donc maintenant un beau socle de Blood Bowl, toujours fidèle à l'idée du terrain, mais avec son petit quelque chose qui donnera plus de vie à votre équipe. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager et vous abonner. En tout cas, je vous dis à bientôt et restez créatifs.